24 heures après, on s'est aperçu que le four était quand même encore à 130 degrés. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on peut cuire? On a décidé de faire des fruits séchés. Donc pour ce faire, on a fabriqué des petites clayettes. Vous voyez, donc c'est du quadrillage qui permet aux fruits de sécher par-dessus, par les côtés. Et ça permet une bonne évacuation de l'humidité qu'il y a dans le fruit. On est 24 heures plus tard, nous avons enfourné à 130 degrés et on va voir maintenant comment les fruits sont comportés. On va voir comment la pomme a séché, comment l'ananas a travaillé et comment la mangue a durci. Comme c'est sucré. On peut voir, ça réduit beaucoup. Le fruit est totalement déshydraté, il est complètement sec et il est prêt à consommer. Et comme ça, vous pouvez le garder minimum 6 mois, voire 1 an même. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles aventures.